Voici les images à l'origine d'un regain de tension entre l'Iran et les États-Unis. Les deux pays se renvoient la responsabilité après l'attaque de deux pétroliers près du détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique. Pour les États-Unis, le problème doit se régler à l'échelle mondiale. Nous avons un problème d'ordre international au Moyen-Orient. Ce n'est pas un problème américain. L'ambassadeur Bolton et le secrétaire Pompeo et moi-même cherchons à obtenir un consensus international sur ce problème international. Selon les Américains, cette vidéo prouve la responsabilité de Téhéran. Pour eux, aucun doute, il s'agit de gardiens de la révolution iranienne. Aux abords de l'un des navires, ils seraient en train d'extraire une mine ventouse de la coque, des images diffusées par les États-Unis. Londres, autre ennemi historique de l'Iran, accuse également la République islamique. Nous allons faire notre propre évaluation indépendante, nous avons notre processus pour le faire. Nous n'avons aucune raison de ne pas croire l'évaluation américaine, et notre instinct est de les croire parce qu'ils sont notre plus proche allié. Une réunion d'urgence a eu lieu jeudi soir à l'ONU par crainte d'un nouvel embrasement dans le Golfe. Nous pensons qu'il devrait y avoir une définition claire des responsabilités à cet égard et qu'il est très important d'éviter à tout prix une confrontation majeure dans le Golfe. De son côté, l'Iran a démenti toute implication. Le président Hassan Rouhani renvoie la balle aux États-Unis qu'il accuse de représenter une grave menace pour la stabilité de la région et du monde.